Et les amis, comment ça va J'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes mardi, nous nous retrouvons deux jours après cette superbe rencontre, cette superbe victoire avec ce scénario improbable. Voilà, qui l'eût cru, l'eût-tu cru qu'on se retrouverait à 10 au bout de 5 minutes et qu'on tiendrait le coup et qu'on marque un troisième but dans les dernières minutes, même les dernières secondes de jeu avec trois remplaçants qui marquent les buts. On fera le débrief ce soir ensemble les amis. On ne va pas faire un débrief aujourd'hui dans la vidéo. On va parler du sujet Benassia sur l'arbitrage, plus précisément avec les articles de la presse. Je vais vous faire un point presse énorme dans cette vidéo-là. On va faire aussi un point sur toute l'actualité en général. Tout d'abord les amis, mettez un soutien à la chaîne. Voilà, je n'ai pas pu vous faire un bon débrief à chaud la dernière fois. Bon, avant-hier, après la rencontre Lyon-M, je vous ferai... Un débrief spécial à chaque rencontre que je passerai au taf. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire là. Je le ferai spécialement euh, avec un autre système que j'ai trouvé là dernièrement. Ça sera bien sympa pour le passer ensemble. On se retrouve ce soir pour le débrief. N'oubliez hein. pas en live. Allez, on y va sur quoi Vous avez vu J'ai mis l'alerte, je la remets parce que, excusez-moi, je ne vous ai pas dit. Mettez le like, voilà à gauche, l'abonnement, la cloche, le partage, c'est le petit flèche comme ça en dessous, et aussi les commentaires. On y va tout de suite sur quoi Sur l'intro du. Et nous y sommes, nous y sommes sur quoi Sur le premier but, alors écoutez bien Alors écoutez bien les supporters marseillais C'est le but de qui De Jonathan Rowe Regardez bien lutte. Le, le dégagement manqué Petit dribble, il rentre dans la surface Un petit peu extérieur de la surface La frappe enveloppée, petit filet Gol, 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 assaut Jonathan Rowe et la ferveur des supporters qui sont dans le stade Groupama Stadium. On voit deux herbis en feu. Tous les joueurs qui rentrent sur le terrain. On était à la 95e minute. Ça donne la victoire. 3 buts à 2. Voilà, donc encore 3 points. Et on suit les puputiers en classement. La victoire, 3 buts à 2, comme vous voyez. On regarde l'action là au ralenti. Il va dribbler deux joueurs. Il va rentrer dans la surface. Il va ressortir de la surface. Frappe enveloppée. Un petit peu comme le but qu'il avait manqué. Enfin, la frappe, elle était cadrée face à Nice. Et d'ailleurs, après la rencontre, il nous dit ceci. Donc Jonathan Rowe, après le match contre Nice. Jonathan Rowe a déclaré sur son Instagram, j'aurais dû marquer sur cette occasion à la fin, mais la prochaine fois, je marquerai. Il l'a promis, il a tenu sa promesse. Hier, il a marqué un goal à saut à la dernière minute, à la dernière seconde de l'Olympico. Et il nous donne la victoire, bien joué, à Jonathan Rowe. On regarde aussi d'autres vidéos. Voilà, donc ça va être un petit peu de vidéo, un petit peu d'images pour cette vidéo-là. Et on y va sur quoi Sur la ferveur dans les vestiaires. Vous l'avez dû le voir, mais je vous le remontre. Écoutez bien. Voilà, ça dure une minute. Je vais vous mettre un peu moins d'une minute. Vous entendez les chants dans les vestiaires avec qui c'est qui met l'ambiance C'est Aminerit. On le voit à droite là. Écoutez, écoutez. On les a chicotés Johnny <laughs> C'est pour Jonathan Rowe. Bon allez les amis, c'est pas grave, on continue parce que sinon ça va être trop long la vidéo Et on continue avec l'image juste après, voilà cette photo magnifique, vous l'avez déjà vue Je pense de partout dans les médias et je continue les amis, on continue avec l'actualité Est-ce que vous avez vu la réaction de Fabrizio Ravanelli Pour ceux qui traînent sur les réseaux, vous l'avez sûrement vu Mais ceux qui ne traînent pas sur les réseaux, qui regardent que mes chaînes, que ma chaîne Et eh bien regardez la réaction de Fabrizio Ravanelli, de Basile Boli, de Longoria Regardez bien, ça dure 20 secondes Allez, regardez bien les amis et écoutez, si vous avez envie, c'était après le but de Raw. Regardez Ravanelli, on le voit là. Longoria derrière. Basile Boli. <laughs> Comme s'il allait marquer Fabrizio. <laughs> Et après, on le voit même sur la tribune, euh, sur le terrain, pardon, Fabrice Durvanelli. Je ne sais pas si j'ai trouvé une image. On verra ça dans la vidéo. Alors, tout d'abord, ce soir, on se retrouve, comme je vous l'ai dit, débrief à froid. Nous sommes à 13 likes, vous voyez ici. N'hésitez pas à balancer une radia de likes. Qu'on soit, pourquoi pas, à 50 à la fin de la vidéo. Allez, n'hésitez pas à monter à 50, voire pourquoi pas comme la dernière fois. On avait dépassé les 100. Allez, n'hésitez pas à battre le record des 100 likes avant le début du live de ce soir. Ce soir, à 18h, on se retrouve. On notera les joueurs, et d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, les notes. Je vous le montre vite fait. Regardez, on va sur cet écran-là. J'ai déjà tout préparé. Les joueurs qui seront notés. Il y a des remplaçants qui ont joué plus de 30 minutes, comme Valentin Rongé, comme Lirola, qui a joué une demi-mi-temps, euh, une demi-mi-temps, demi j'allais dire une mi-temps entière, qui a marqué un but, une passe décisive. Rongé, qui a joué 80 minutes avec la sortie de Aminarit. Et on va parler aussi des autres remplaçants qui ont, sont entrés en cours de match parce qu'ils ont été importants, mais on ne les notera pas. Que ce soit Garcia, Mopé ou Ro, ils ont joué que 11 minutes pour Mopé et Ro, même s'il a marqué un but, Ro. Et Garcia, qui a joué que 25 minutes, même s'il a marqué un but, il n'a pas joué 30 Minutes, donc on va pas le noter, mais on en parlera. On parlera aussi de Zerbi et de tous les autres joueurs qui sont sur le terrain, même de Balardi qui n'a joué que de 5 minutes. Je sais pas si on va lui donner une note, mais euh, on va voir, on va voir. C'est vous qui allez me dire euh, qui allez me dire dans les commentaires si on notera Balardi. Alors on revient sur l'actualité. Tout d'abord, n'hésitez pas, n'oubliez hein, pas on balance une radia de likes. On continue avec euh, les notes cette fois les notes des joueurs. Alors, vous avez l'équipe type toutes les semaines, le lundi, de l'équipe qui nous met le 11 type de la semaine, de la journée. Et on voit qu'il y a trois joueurs marseillais avec le coach. De Zerbi, meilleur coach, Rouli, meilleur gardien pour la deuxième fois. Quand vous voyez deux E, c'est qu'il est qu y a deux, deuxième fois. Heuberg, deuxième fois, milieu de terrain aussi. Et Lirola, pour son retour, en, pas en titulaire, mais en tant que remplaçant, puisqu'il est rentré à mi-temps, il fait partie des meilleurs joueurs de cette cinquième journée. Autre chose pour les notes du côté de l'équipe, je vous le mets en plus gros. On a les notes de tous les joueurs du championnat. On a les meilleurs gardiens, les meilleurs joueurs, on a la meilleure équipe. Et la meilleure équipe, c'est l'OM avec 5,80 de moyenne pour tous les joueurs. Le coach aussi, c'est deux est premier. Coach et équipe, meilleure équipe, meilleur coach. Dans les meilleurs joueurs, on voit que Rouli est quatrième à la, en place de gardien, pardon. Et en meilleur joueur, on a oiber qui est à la deuxième place, égalité avec Tolisso. Allez, on continue les amis. J'ai un petit peu perdu la voix, mais on continue avec d'autres vidéos. Écoutez bien, ça dure 6 secondes. C'est Aminarit quand il rentre avec les supporters du côté de Marignane qui les accueille. Écoutez bien. Allez, allez. Bon, ça ne dure pas longtemps, c'est 6 secondes. <laughs> On regarde notre vidéo avec celle de Jonathan Rowe qui va taper les mains de supporters. Il y avait plus d'une centaine de supporters, peut-être même plus de 200 supporters qui les attendaient. Et regardez Jonathan Rowe qui va taper. Et écoutez bien, il rigole Il rigole, écoutez bien. Vous l'avez entendu? Jonathan Rowe qui rigole, à mon avis. Il devait être super heureux de voir les supporters avec cette ferveur. Et derrière, on a aussi Baimo Maite, voilà, qui uh, malheureusement ne joue pas beaucoup, qui ne joue pas du tout même. Et écoutez bien, plus peu cette ferveur un petit peu des supporters. Et la joie de Baimo. Hey, qui saute pas n'est pas Marseille. Hey, voilà, voilà, voilà. Allez, on passe à autre chose les amis, on continue avec cette fois, on passe sur ce qui va nous fâcher, c'est sur l'arbitrage. D'abord, une petite image, à la fin de match, on voit Veretout avec Longoria qui se regarde en chien de faïence. Voilà, regardez la tête de Veretout qui est vraiment énervée en regardant Longoria qui le regarde du coin de l'œil. Voilà, le regard comme dans les westerns, mais c'est pas ça qui nous intéresse puisque c'est la réaction de... Monsieur Benassia, qui défend le club, l'institution OM. Regardez comme il montre du doigt l'arbitrage. Ça, c'était à la mi-temps. Vous voyez l'heure en haut, 21h38. Il a dit dans les vestiaires, ici, là, il a dit euh, des choses un petit peu comme, euh, nous prenez pas pour des cons, il faut nous respecter. Voilà, déjà la semaine dernière, avec Derek Cornelius qui se fait expulser contre Nice, même si c'est pas la même arbitrage. Et maintenant, avec le, le carton rouge pour Balerdi qui est sorti un petit peu trop vite, ou le deuxième carton jaune, le pénalty, alors qu'il y avait un hors-jeu au départ de l'action. Voilà, beaucoup de choses avec l'arbitrage. Ça fait des des années que ça dure, j'avais demandé moi une réaction ferme et intense de nos dirigeants, on l'a jamais eu. On a toujours eu un Longoria qui a été un petit peu plus euh, euh, tranquillement à essayer de brosser dans le sens du poil les euh, instances du football français. Et là, on a un Benassia qui tape du poing sur la table et qui montre un petit peu ce qu'il faut faire du côté de l'OM. Il faut qu'il y ait une personne qui se montre. Et là, il s'est montré et il a un petit peu tapé du poing sur la table. Même après la victoire, il a dit directement du côté de Micro de Dazone que ça suffit. Maintenant, il faut dire les choses. Il euh, n'y a pas euh, voilà, à dire il euh, y a un complot ici et là. Non, c'est une vérité. Tout ce qu'on voit, ce qui se passe, c'est un petit peu bizarre. Voilà, donc le pénalty. Euh, avec un hors-jeu avant, le carton rouge un petit peu sifflé assez vite, enfin le deuxième carton jaune pour Cornelius, là le carton jaune pour Balerdi, alors que c'est Balerdi qui se fait arracher le maillot par la casette. Voilà, donc il a un petit peu défendu les instances, et c'est ce qu'on veut. On veut quelqu'un comme ça au club, qui tape du poing sur la table, même s'il va être puni, parce que je pense qu'il va se passer comme ça, ça va être une punition pour une sanction pour Benassia, au moins c'est dit, au moins c'est fait, pour pas que ça se reproduise, que ça se reproduise le moins souvent. Allez, on enchaîne avec ça, justement, et on voit justement qu'il y avait bien hors-jeu. Voilà, donc sur le penalty, comme vous voyez, le hors-jeu avec la casette en bas, vous voyez qu'il est bien devant. Voilà, je, je ne mens pas. Si vous faites une ligne, même le joueur au milieu de terrain, même s'il ne compte pas, c'est plutôt la casette qui va recevoir le ballon. Et bien, bah, vous voyez bien, regardez, je confirme, il n'y a pas dhors jeu comme il dit, on fait la ligne un petit peu bizarre. Allez, on enchaîne avec quoi Avec les derniers précédents. Voilà, euh, chose bizarre avec Benoît Bastien. En 2015, le but refusé pour Ocampos. L'année où Bielsa était là, il avait fait un speech à la fin de match. Il a dit Vous savez, on s'est fait enfler. Bon, il n'a pas dit de la même manière. Mais dans la vie, il y aura d'autres choses à faire. Machin, je ne sais pas ce qu'il avait dit exactement. Les messages ex exacts. Dites-moi si vous en souvenez des messages exacts de Bielsa. Il a dit Il faudra se relever et euh, il faudra être fort dans le futur. 2022, il réalise plusieurs grosses erreurs en faveur de Lyon. On s'en souvient avec Dembélé qui écarte le bras dans la surface, il aurait dû avoir un pénalty. Il n'a pas été sifflé pour l'OM. Et aussi maintenant, en 2024, il exclut sévèrement Leonardo Balardi au bout de 5 minutes. Vous le voyez l'image en bas, euh, tout en bas. Alors que c'est lui qui se fait arracher le maillot. Allez, on enchaîne, les amis, avec quoi Avec euh, la réaction de Roberto Deserbi après la rencontre en conférence de presse. Il nous dit quoi Mon équipe a eu beaucoup de caractère. Et comme vous dites ici, elle a eu des couilles en conférence de presse. Il a eu osé dire ce mot-là. Voilà, donc ça fait plaisir d'avoir un personnage aussi euh, intense dans ses réactions. Vous l'avez vu, il avait presque les larmes à l'œil quand il réagissait avec les, le buteur de la fin de rencontre avec euh, Jonathan Drouille, le prendre dans ses bras. Voilà, donc ça fait plaisir à voir ça. On avait aussi d'autres coachs qui étaient dans ce domaine-là comme euh, Igor Tudor quand il avait pris son son... Euh, son euh, comment s'appelle son, son, son assistant. Vous vous en souvenez qu'il avait presque étranglé C'était plutôt sympa. Mais là, on voit avec De Zerby que ça fonctionne bien pour l'instant. On est premier au classement, égalité de points, en espérant que ça dure le plus longtemps possible et qu'on concurrence ses pupus. Tiens, Allez, maintenant, je vais faire un petit point pour les abonnés de ma chaîne qui me soutiennent depuis un moment. Voilà, ce soir, je ferai tourner la roue. Là, je vous la montre, ça se déroulera comme ça. Il y a pour l'instant, alors je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 abonnés sur ma chaîne. Je parle des 10 abonnés payants, je ne parle pas de 10 abonnés au total de ma chaîne. 10 abonnés qui me soutiennent financièrement. Voilà, à chaque fois, je reçois des dons parfois dans les lives. Je me suis dit pourquoi pas mettre un petit abonnement. Il est de 2 euros je crois par mois. Donc, ce n'est pas obligé. Hein. Vous pouvez faire 2 mois, 1 mois pardon et ne payez pas derrière. Par contre, je vous donne des avantages. Par exemple, là, je ferai tourner une roue et je ferai gagner un maillot de l'année dernière, pas de cette année. J'en ai deux à offrir, je vous, les, je vous les montre. Il y en a un qui est ici. Donc le maillot à domicile et le maillot euh, flamme qui est ici. Voilà. Hop, je ne mens pas, ils sont ici encore emballés. Voilà, j'en offrirai rien. Et celui qui tombera dessus, par exemple, là c'est un exemple, hein. faites pas attention, donc si euh, ça tombe sur quelqu'un qui me regarde maintenant qui dit Ah oh, c'est moi qui ai gagné, non, tu ne gagneras pas. Pour vous montrer comment ça fonctionne, je tourne la roue. Voilà, ça va tourner, ça va tourner, ça va tourner. On verra sur qui ça tombe. Et sur qui ça tombe, eh ben, ce sera le vainqueur. Et je l'enverrai chez lui directement. Ça serait Kilou. Et Kilou qui a déjà gagné un maillot lors d'une roue, il me semble. Je ne sais pas si je me trompe. Dis-moi si je me trompe, Kilou. En tout cas, si tu me regardes, et eh ben, merci pour ton soutien, pour l'abonnement payant, et pour ceux qui veulent y participer, n'hésitez pas. Vous avez encore la journée jusqu'à ce soir. Si vous ne faites pas, bah ce n'est pas grave, il n'y aura que cette roue-là. Je peux rajouter des personnes, vous inquiétez pas, si vous vous abonnez dans la journée. Allez, je continue, je ne vous force pas à vous abonner, et on va passer directement à quoi Au point presse. Ouais, c'est <coughs> le point presse. Allez, nous passons au point presse, et nous passons au point presse. On va préciser un petit peu le cas Benassia. Voilà, il y a un gros article ici, on va le lire ensemble, et je vais boire un petit coup, parce que j'ai la voix qui part en sucette. bobu <coughs> Propos sur l'arbitrage. Mehdi Menasia devra s'expliquer. Et ce soir, on ne fera pas de point presse, à moins qu'il y ait une dinguerie qui tombe dans la journée, puisque là, c'est la presse d'aujourd'hui. Voilà, je, je m'avance un petit peu. On fera pas de point presse comme la dernière fois. On ira directement sur des focus de quelques joueurs que je vais viser pour la rencontre de euh, Lyon OM, des focus de points précis de faits marquants, comme le carton rouge, comme d'autres soucis, machin ici et là. Et aussi, à la fin, on fera les débrief notes ensemble. Allez, Mehdi Benassia devra s'expliquer. Le conseiller sportif de l'OM a asséné pardon, des mots forts au corps arbitral de Lyon OM à la mi-temps et en fin de match au micro de diffuseur sur lesquels il devra s'expliquer. Après sa colère à la, destination, à la destination du corps arbitral à la mi-temps et après l'Olympico ce dimanche, le conseiller du président Pablo Longoria va être convoqué ces prochains jours par la LFP, elle-même saisie ce lundi par le Conseil national de l'éthique nombre de supporters olympiens qui s'estiment lésés par les, les hommes en noir non, pardon, les arbitres depuis de très longues euh, saisons attendaient ce moment avec impatience donc c'est ce que je disais bien je veux une personne qui tape du poing sur la table et qui montre un petit peu les valeurs euh, qu'on doit respecter à l'OM ou dans n'importe quel club mais d'abord nous, l'OM, on doit se faire respecter ils appelaient de leur vœu qu'un dirigeant de l'OM, après une injuste décision, aille défendre l'institution en coulisses et au micro et ou micro Dimanche soir, au groupe Stadium, théâtre du show Benoît Bastien, ils ont été servis par Mehdi Benassia. A la pause et après le succès retentissant de Jonathan Rowe et sa bande, le conseiller du président, qui n'avait pas encore digéré pardon, le maintien de la suspension de Derek Cornelius au milieu de la semaine, a fait savoir le fond de sa pensée au corps arbitral. Commence à nous respecter, commence à nous respecter, c'est Bédibénassia qui parle. La semaine dernière, Cornelius, là encore, il fait référence à l'exclusion de Leonardo Balardi et au pénalty accordé à Lyon alors que la casette semblait hors jeu au départ de l'action. Prenez pas les gens pour des cons, il a rajouté cela. C'est d'abord emporter le dirigeant sur le chemin du vestiaire avant de remettre une couche sur un ton plus apaisé devant les caméras du diffuseur, Dazen. Je ne suis pas surpris, on regarde un petit peu ce qui se passe. Quand j'ai vu Lyon-Marseille, Benoît Bastien, j'étais pas bien, nous dit Bédibénassia. Regardez les antécédents, moi j'invente rien, je regarde les images comme tout le monde, répondait-il aux questions de Dazen. Il y a trop de choses que je ne peux pas laisser passer, que le président Pablo Longoria ne peut pas laisser passer, tu ne peux pas chaque semaine être là et te dire c'est quand qu'ils vont nous la faire. C'est pas possible. Il y a trop de choses douteuses sur la première mi-temps et sur l'ensemble du match. Voilà. Donc, il parle de l'arbitrage. Si les deux charges de Mehdi Menassia ont ravi une grande majorité des fidèles de l'OM, ce fut nettement moins le cas à la Fédération française de football, où le Conseil national de l'éthique, le CNE, con, comme révélé par l'équipe et confirmé par nos soins, a décidé de saisir la commission de discipline de la LFP pour qu'elle examine ces incidents. Une requête que l'organe de, de la Ligue pardon, a eu le plaisir d'apprendre dans les médias. Son attitude agressive et répréhensible mérite d'être signifiée. Elle est très véhémente. Mais on considère que c'est une colère calculée, maîtrisée. Sinon, il aurait tenu des propos injurieux. Elle avait pour but de mettre la pression, explique Patrick Anton, président du CNE au quotidien sportif. Sur l'après-match, il vient rajouter une couche avec une théorie complotiste. Son comportement est grave et sanctionnable. Ces propos ce, ne sont pas passés inaperçus sur les hauteurs de la commanderie où l'on imaginait qu'une convocation de levant la commission de discipline arrive sur le bureau. Mais certainement pas de cette manière. Après examen du rapport de la rencontre dressé par Benoît Bastien, arbitre de l'Olympico, la commission de discipline devrait, sauf surprise, convoquer Bendy Benassia dans ses locaux le merdi, mercredi pardon, 2 octobre. Donc c'est pas ce mercredi-là, c'est le mercredi d'après. Mercredi 2 octobre, pour lui demander de s'expliquer. L'ancien joueur du Bayern risque une, voire plusieurs rencontres de suspension de ses fonctions officielles. En haut lieu, à l'OM, l'on assure que cette probable sanction sera acceptée sans scier et ne déviera pas le club de sa nouvelle ligne de conduite. Les dirigeants marseillais estiment en effet s'être trop longtemps terrés dans le silence vis-à-vis -vis du traitement injuste que subit leur club à leurs yeux. Voilà donc, désormais, à partir de maintenant, donc on va accepter la sanction. Mais on ne fermera plus notre bouche. Voilà, comme euh, je l'avais dit tout à l'heure, avec Longoria, avec d'autres personnes avant qui représentaient le club, eh ben, avant, c'était on brossait dans le sens du poil les instances euh, du football français. Maintenant, c'est fini. Voilà, on dit ce qu'on pense et on est franc. Un petit peu comme moi quand je vous dis d'aller vous faire. Un... <laughs> non, je rigole. Allez, je continue. Présent dimanche à Dessine, Basile Boli est du même avis. Donc, il va défendre, pourquoi pas, Mehdi Bellassia. Ce n'est pas parce qu'on a, a gagné qu'on ne doit rien dire, nous dit Basile. Basile en tant que dirigeant, Mehdi Benassia est dans son rôle. Il faut arrêter de lui tomber dessus. On n'aurait pas le droit de dire qu'un arbitre a fait une faute C'est une question. Ce n'est pas normal. Je le défends totalement. On ne dit jamais rien. Pour une fois qu'on s'exprime, cette situation dure depuis trop longtemps. On ne se, on ne se laissera plus faire. Ça suffit, tonne l'ambassadeur de l'OM. Voilà le sujet de l'arbitrage concernant Mehdi Benassia, qui sera convoqué donc le 2 octobre, en espérant que ça se passe bien pour lui, qu'il reçoive une sanction. Allez, je pense qu'il aura un ou deux matchs. Et je ne pense pas qu'il y aura plus. Il n'a pas été trop loin, à mon avis. Voilà, je sais pas, il a, il a dit juste une fois con. Il a dit euh, y a, ça suffit, il y a trop de choses qui se passent, c'est bizarre. Il n'a pas visé euh, directement euh, plusieurs personnes. Il a dit avec Benoît Bastien voilà, ça devrait être bizarre, mais il n'a pas dit. Euh... Il n'a pas sorti trop d'insultes. Hein. Franchement, je trouve que ça a été plutôt correct, hein, les paroles de Benaz Benazir. Voilà, je sais pas pourquoi euh, il, il aurait une grosse sanction. Maintenant, patons sur un autre sujet, les amis, et on reviendra sur l'arbitrage, sur la presse avec l'équipe. Parce que je vous ai dit, il y aura un gros point presse. D'abord la Provence, et après on fait l'équipe. Des Olympiens en rendez-vous. Donc on va voir un petit peu ce qui se dit dans cet article. Des Olympiens en rendez-vous. leader ex aequo avec le PSG et Monaco, à l'issue de la cinquième journée, les hommes de Roberto Zerbi réalisent un départ canon en Ligue 1. Symbolisé par la victoire renversante, décrochée à Lyon dimanche soir, tour d'horizon. Et je lis l'article. N'hésitez pas à faire pause si vous avez envie de lire à votre rythme, sinon je vous le lis tranquillement. Minuit approche dans les entrailles du parc OL où les derniers témoins d'un Olympico légendaire se reprennent à peine de leur esprit. À quelques mètres d'un vestiaire retourné par Aminarité et sa bande, Nil Mopé se présente devant une forêt de micros. Un confrère se lance. Quelque part, vous avez gagné bien plus que trois points. Ben non, ces trois points rétorqués en haussant les sourcils l'ancien niçois, soudain flegmatique, après avoir enflammé la toile en postant une photo de lui en train de siroter une bouteille d'eau aux couleurs lyonnaises. Pourtant non, content des, non content, pardon, loin... attends, D'ailleurs, cette photo, je l'ai, je crois que je l'ai mis Non, je l'ai pas mise de côté Oui, c'est celle-là. Voilà, je voulais vous la montrer. D'ailleurs, c'est cette photo qui nous disent. Voilà. Allez, je reviens. Pourtant, non content d'être la première équipe réduite à 10 en moins de 5 minutes sortie victorieuse d'une rencontre de Ligue 1 depuis les statisticiens collectent ces données en 92-93, donc ça fait 32 ans, 31 ans, 32 ans qu'une équipe n'avait pas remporté un match après avoir été réduite à 10 au bout de 5 minutes, en moins de 5 minutes. L'OM a bel et bien, contre vents et marées, frappé un grand coup. La saison n'en est cassé babutiement, mais l'Olympico ou l'Olympique, pardon, leader Execo avec le PSG et Monaco, confirme petit à petit les promesses semées l'été. Un quasi sans faute, même s'il n'a pas eu l'allure attendue. La faute au cowboy Benoît Bastien. Ce premier grand test a été réussi au la main. Avec 13 points sur 15 possibles, après avoir croisé la route de Brest, Nice, Lyon et même Reims, qui a encore contrarié un d'or ce week-end, l'Olympique de Roby marche sur les, tra les traces pardon, de ceux de San 2021-22 et Tudor 2022-23, deux QV juchées, juchées sur le podium à l'issue du championnat. L'objectif minimum est esquissé cette année par Pablo Longoria. L'OM peut-il rêver plus, gr plus grand Je ne, peux pas de... <laughs> Je ne parle pas de titre. Ce ne serait pas sérieux, nous dit euh, Roberto Zerbi. « On commence à peine notre parcours. Le PSG et Monaco ont de l'avance, clamé Roberto Zerbi. « On cherche juste à atteindre la perfection. Je ne sais pas où ça nous menera après le foot, peut-être bizarre. L'âme de conquérant. Si cet OM est encore grandement perfectible, notamment son expression collective, il est déjà doué d'un état d'esprit irréprochable. Le sérieux et la combativité des Olympiens ont pris un peu plus d'épaisseur au parc OL, où la pièce est trop souvent retombée du mauvais côté. Au-delà d'un certain sens du sacrifice pour faire les, les efforts à 10, se jeter dans les pieds lyonnais et s'accommoder sans broncher d'un rôle inédit, Condogbia et Murillo en défense centrale, Rongier en latéral droit. Les Marseillais ont gagné cette rencontre en maîtrisant leur nerf face à l'injustice et en ne succombant pas à la frustration. Une belle mentalité et du courage, c'est plus important que le résultat, car ce sont des choses fondamentales pour s'inscrire dans la durée. Félicité Roberto Zerbi dont le management paternaliste enchante ses protégés. Il nous met en confiance. On a tous envie d'être derrière lui, de travailler pour lui, insister à ce propos, Neil Mopé. Les joueurs qui étaient sur le terrain ont tout donné. Ceux qui sont entrés ont fait la différence. C'est ça la force de l'OM. On est avant tout des potes, c'est ça qui va faire la différence. Répète encore Nil Mopé. Des cadres au niveau. Par contre, Leonardo Balardi, il n'a pas été au niveau finalement. Mais c'est pas grave, on va voir ce qu'il a dit. Il a récupéré le brassard orphelin de Léonardo Balerdi, Et en... Encore emmener le navire olympien à bon port. Exemple par la parole et actes. Pierre-Émile Hoiberg s'est imposé en un claquement de doigts comme le patron de cet OM. Dans le sillage du Danois, Geoffrey Kondogbia est métamorphosé. Un cadre enfin fiable dont l'avenir pourrait s'inscrire en charnière où il a été déterminant à Lyon quand Adrien Rabiot reprendra du service. Et oui parce que Rabiot va venir, il va bientôt venir dans 2-3 matchs environ. Et Kondogbia sera peut-être placé en défense, pourquoi pas après, en défense, qui sera derrière euh, remplaçant, je ne sais pas euh, si Konobia euh, se place en défense titulaire. Est-ce qu'un brassier ira remplaçant Est-ce qu'un Cornelus ira remplaçant Est-ce qu'un Balardier ira remplaçant bah, C'est bien qu'on ait plusieurs armes, euh, plusieurs flèches à notre arc plutôt. Derrière lui, Jéronimo Rouli, malgré quelques frayeurs, a déjà fait gagner un joli paquet de points aux hein. Devant, en attendant que tout le monde trouve son rythme de croisière, le talent de Maison Greenwood, l'euphorie de Luis Enrique et l'abnégation de Mopé sont d'autres certitudes sur lesquelles De Zerby peut se reposer. L'impact de Roby. On continue maintenant avec le maître tacticien. Robert De n'est pour le coup pas magicien. Même si, par bribes son équipe restitue ses principes de jeu, les premiers buts contre Reims et Brest sont des exemples du genre. Cet OM, dont l'effectif a été chamboulé par le Mercato, reste grandement perfectible. Le coach dit qu'on est à 40-50% de notre potentiel. Je pense qu'il a raison, révèle Valentin Angier. La philosophie de, de Zerbi ne se limite pas qu'au pressing et à un jeu de position léché. Le lombard volcanique sur le banc de touche a aussi le nez creux en cours de match. Rien qu'à Lyon, alors que ses plans sont tombés à l'eau dès la cinquième minute, Roby a remué ses méninges pour bricoler une défense. Rongier, Murillo, Kondogbia, Brassier. Et on en parlera lorsqu'on fera un débrief ce soir euh, de Rongier, de Murillo, de Condobia de Brassier. Parce que certains de ces joueurs, de ces quatre défenseurs, ont été moins bons que d'autres. Et euh, je vous laisse le dire dans les commentaires. Après l'entracte, le remplacement d'Eliwayi par Paul Lirola en a surpris plus d'un mais a surtout permis à Rongier, repositionné dans le cœur du jeu, de retrouver des couleurs et d'être à la baguette du deuxième but olympien. Idem dans l'apparition de l'inattendu Ulysse Garcia à la place d'Ismaël Conné, donnant sur le papier l'impression de bétonner alors que l'OM était mené. En plus de rééquilibrer l'équipe, Lirola et Garcia ont marqué, à l'instar d'un troisième entrant, Jonathan Rowe, coaching gagnant. Un soupçon de réussite. Il est encore bien trop tôt pour évoquer la chance du champion, mais force est de constater qu'à l'exception des coups de sifflet, tout sourit à l'OM depuis la reprise. L'entame de match à Brest, les cadeaux de Toulouse, les maladresses niçoises et lyonnaises, ainsi que l'improbable reprise d'Ulysse Garcia, hormis contre Reims où Eli a croqué la feuille de match, l'Olympique est de très loin, selon les statistiques, l'équipe qui suffit super forme surperforme le plus en Ligue 1 avec 15 buts inscrits, 7,9 attendus. 6 buts encaissés, 8,2 attendus. 13 points glanés, 7,89 attendus. Le vent va peut-être tourner, mais d'ici là l'OM, grâce à la confiance accumulée, tournera sans doute à plein régime et si le meilleur était à venir. Donc et si on attendait pourquoi pas un titre. Voilà les amis du côté de la Provence, je vous ai tout lu la Provence et maintenant on part sur l'autre presse. On se fait encore le point presse, les amis. Ça continue. Et on continue avec le point presse. Ouais, et on y va. Le point Allez, on change de presse et on va du côté de l'équipe. Alors, je vous montre la première page de l'équipe. C'est celle-ci. Voilà, ça concerne l'OM. Voilà, ça vend des pages, ça vend des. Voilà, ça fait du fric. Un canon à trois voix. Et on va voir un petit peu ce qui se dit. Alors, avant de partir sur euh, la nuit d'ivresse, on va d'abord lire comme un seul OM. Donc, ça concerne. Pablo Longoria, Benassi et De Zerbi. On y va, let's go. Je vous lis ça comme il faut. Allez, comme ça, ça se met en bon format pour vous lire tout ça d'un seul coup. Comme un seul OM, la joie de Roberto De Zerby et son groupe après le but de la victoire 3 buts à 2 inscrit par Jonathan Rowe à la 95e minute dimanche contre l'OL. Alain Munich de l'équipe de notre envoyé spécial permanent Mathieu Zegai. Allez, je vous lis ça. Fougue, investissement, exigence, dopé par le Mercato, le sous-détri au Benassia de Zerbi Longoria a passé un été intense pour lancer le nouveau projet marseillais qui se concrétise dans un début de saison réussi. Marseille. Marseille, 12 nouveaux joueurs, 9 partants, un lofter de 3 mois qui enchaîne les mises à pied, un entraîneur moderne, on parle de, de MMA, bien sûr. Un entraîneur moderne et exigeant, une dizaine d'adjoints plus un conseiller du coach, nouvelle marotte et un directeur de la performance. Un, runner, un renard argenté, pardon, en parlant de Fabrice durman qui porte des costumes cintrés et des lunettes fumées, un discret coordinateur sportif venu de l'Orient et même un psychologue pour le groupe pro depuis la semaine dernière qui n'aura pas trop de boulot dans les prochains jours. De la cave au grenier avec la bénédiction et la garantie, les garanties bancaires de Franck Macourt, l'OM a encore tout changé cet été. Cette reconstruction a débouché sur des résultats immédiats et un début de saison plein de promesses qui place le club en tête de Ligue 1 avec le PSG et Monaco après 5 journées. Plongé dans les coulisses d'une reconstruction menée par un trio soudé. Donc on va voir ce qui s'est passé. La folie de Mehdi Benassia. De Jonathan Kloss à Benoît Bastien, voire si contre, il, faut, il vaut mieux éviter d'être dans le viseur de Mehdi Benassia, 37 ans, quand il prend la parole. Personnage déroutant, très différent de ses prédécesseurs espagnols Andoni Zobizareta, Pablo Longoria lui-même et Javier Ribalta, le conseiller du président peut alterner entre des propos durs sur l'agent du joueur poussé vers la sortie et une bonne dose d'empathie quand un sujet le touche. Très déçu de ne pas avoir réussi le transfert de Jordan Veretout à Al-Saad début juillet, il a pourtant facilité son départ à l'OL en qualité de joker début septembre, dansant gentiment Michael Gerlinger, le directeur du football d'Eagle, connu au Bayern. Pour avoir joué la montre, et il a pris l'initiative de déclencher un communiqué pour soutenir le joueur et sa famille vilipendée sur les réseaux sociaux. Homme d'action, toujours joignable, même aux heures tardives de la nuit, qu'il soit à l'OM Campus, au Paddle ou dans une chicha de Dubaï, il a passé son été à défendre le nouveau projet de Marseillais, ébauché avec Longoria au printemps, une équipe construite autour d'un coach d'envergure pour redonner de l'espoir au public marseillais rincé après une décevante saison 2023-2024. Alors, Benassia a échangé avec Roby, Roby de Zerbi, je parle, comme il l'appelle, de Zerbi, avec Pierrot, Pierre Oybierg, qu'il a croisé tout jeune au Bayern entre 2014 et 2016. Il a insisté sur son passé d'ancien joueur au début compliqué, au talent moins prononcé que ses collègues, tels Samir Nasri, mais qui a toujours charbonné pour accéder finalement au plus grand club d'Europe, le Bayern, la Juve, la Roma aussi, et au capitanat de la sélection marocaine. Donc, on parle de joueurs, là, de Benassia. Ce parcours besogneux et cette force de conviction ont séduit des joueurs comme Lilian Brassier ou Ismaël Cogné qui peuvent considérer Marseille comme un tremplin et non un choix risqué menant à une impasse. Après avoir voulu recruter Benjamin Mendy en janvier puis Youssef Atal au début de l'été, Benassia a montré qu'il ne se fixait aucune frontière et il a tenté de convaincre le frère de Brassier comme la mère de Kinyan Sildia et celle d'Adrien Rabiot qui gère avec poigne la carrière de l'enfant. Ah, Rabio, c'est la folie de Mehdi. Au départ, on lui a laissé libre cours, confier Longoria la semaine dernière. Et maintenant, on parle de l'implication de Zerbi. Et je vais, je vais boire un coup parce que j'ai trop soif. Alors je bois un petit coup, petite pause, c'est pas bien grave. On a une demi-heure de la vidéo. Il y a encore le temps. Ah, c'est frais. Allez, l'implication de Deux <coughs> Tout l'été, Benassia a travaillé en étroite collaboration sur le mercato avec Roberto de Zerbi et son conseiller Giovanni Rossi. C'était l'une des quatre grandes requêtes du coach au moment des négociations, l'associer étroitement au recrutement. Nous explique une huile olympienne. La fin du parcours de De Zerbi à Brighton, septembre 2022, juin 2024, a été marquée, voire accélérée par d'importantes dissensions sur ce volet. Donc du côté de Brighton, il ne voulait pas lui laisser libre cours au Mercato. C'est pour ça qu'il a quitté Brighton et qu'il est venu à l'OM où il avait un peu plus de la main libre, on va dire, le champ libre. Il pouvait participer au Mercato. Pour l'attirer, l'OM lui a laissé une immense latitude. Comme Georges Sampaoli, mars 2021, juin 2022, qui aimait faire le VRP de Deze... Pardon, le VRP De Zerbi, a appelé de nombreux joueurs, généralement après une première prise de contact de Benassia. Il m'a appelé juste après la finale de la Copa América qu'il a remporté avec l'Argentine face à la Colombie 1-0. Avant que je ne parte aux Jeux Olympiques, nous a expliqué Geronimo Rouli vendredi. C'est ce que j'avais lu euh, vendredi, finalement. Il n'est plus à présenter. J'avais eu l'occasion de jouer contre lui quand il était à Saint-Solo 2018-2021, à détailler Rabiot. Il a fait de très belles choses par la suite. Il a proposé du beau football. C'est un compétiteur, quelqu'un qui veut gagner. Je me retrouve aussi dans ces choses-là. Pour moi, comme pour les joueurs arrivés, cet été, il a été une pièce maîtresse. Sollicité en toute fin de mercato, le mi le Milanais Ismaël Benasser avait une grande envie de découvrir un coach qu'il adore, lui qui est bimonré au football italien depuis 2017. L'entourage d'Atal ah a envoyé des vidéos à De Zerbi pour qu'il les décortique avec son staff et valide son profil. Dans les discussions avec des joueurs, dès la fin juin, Benassia comme De Zerbi n'ont pas dissimulé leur ambition, notamment celle de rivaliser avec le PSG pour le titre de champion. Pour eux, il y avait déjà la possibilité de profiter d'une fenêtre avec le départ de Kylian Mbappé explique l'agent du cible olympienne. De Zerbi a initié des pistes comme celle de Derek Cornelius. Ces agents ont été associés à eux à au moins deux arrivées, une pratique répandue dans de nombreux clubs olympiens, européens. Pardon. Et Rossi a mouillé la chemise sur l'épineux sujet du gardien. L'OM a vite compris qu'il faudrait faire des investissements importants sur les joueurs offensifs pour le satisfaire. Avec ainsi style Première Ligue, Maison Greenwood, Nil Mopé, Jonathan Rowe, sans oublier les pistes avortées, Ang, Shan oui, et Eddie Nketia. Et c'est vrai qu'on avait fait beaucoup de pistes en Première Ligue, quand même, hein. en Angleterre plus ou moins. Le recul de Longoria. Maintenant, passons à Longoria. On a fait Benassia, on a fait deux armées. passons à Longoria pour le trio. Benassia, deux en Première Ligue, est toujours connecté. Le président a pris de la hauteur cet été. À l'époque de Ribalta, ils formaient un duo d'inséparables et se partageaient les dossiers, dit un intime. Cet été, Longoria, 38 ans, a capitalisé sur l'énergie de Benassia, lui transmettant sa méthode dite des plans A, B, C et D. C'est ce qu'on parlait dans le Mercato, vous vous en souvenez Début du Mercato, je vous avais dit, avec Longoria, on a toujours un plan A, un plan B, un plan C, un plan D sur toutes les pistes. Et Benassia, il lui a expliqué un petit peu ce système-là à Benassia, qui s'est lancé dans ces domaines-là pour le Mercato. Donc, si on ne faisait pas un tel, on fait l'autre. Par exemple, pour Nketiah, on n'a pas pu le faire, on a allé chercher Wayi. Est-ce que c'était Wayi le plan A Est-ce que c'était Enketia le plan A Je ne sais pas, mais en tout cas, on a fait un autre plan. Vous voyez ce que je veux dire Toujours avoir plusieurs fers au feu, un dossier servant à presser l'autre ou au moins à se couvrir en cas d'échec. Et il a fait des arbitrages. Ainsi, sur le sujet Atal, entre l'amicale pression politique de son ami Renaud Muselier, président de la région PACA, et la difficulté à sortir Paul Lirola, il a mis le hola. Idem sur le. Pardon. Idem sur la quête de Nketiah, qui commençait à épuiser son état-major, ne sentant pas les autres pistes. Parti pardon Arsenal et le représentant de l'attaquant, agacé par la lenteur du dossier du gardien, courant juillet au point de se fracasser la main de dépit. Ah, c'est pour ça qu'il a un bandage sur la main Pablo Longoria. Je ne sais pas si vous avez fait attention, il a toujours une attelle ou, euh, ou un bandage sur la main. Il s'est fracassé la main donc euh, par rapport au dossier du, du gardien. Il a joué il a joué, pardon la direction du Feyenoord pour jauger le dossier. Le fond du dossier Timon Velenreuter, intransférable, et faire gagner du temps au dossier duo Benassia Rossi. Il a toujours eu le dernier mot sur le financier. Recalant ainsi Andrea Pereira, fut l'âme trop chère, il a insisté sur le besoin de créer des plus-values futures. Il s'est concentré sur ses homologues ou des personnages clés, Fabio Pereira Ticci, ex-directeur sportif de la Juve et de Tottenham, pour verrouiller Olibert. Voulons contenter de Zerbi, Longoria a apprécié quand l'Italien lui a parlé de Greenwood. Le premier à avoir évoqué l'Anglais était Paolo Fonseca au cours du printemps, lorsque celui qui était encore l'entraîneur du Losc était convoité par l'OM. Par la suite, Longoria s'est rapproché de ses amis au club de Retafe, où Greenwood était prêté par Manchester United la saison dernière pour plancher sur l'arrivée d'un joueur qui retrouvera, selon lui, un grand Europe dans le futur. Mais l'OM, c'est un grand Europe. Il a déjà retrouvé un grand Europe. Voilà, c'est l'Europe, maintenant c'est l'ON, tout simplement. <laughs> Activant le feu d'un côté en la personne de Benassia, qui assaisonne pour lui les arbitres et se coltine les lofters, Longoria a trouvé son eau qui dort en apparence Fabrizio Ravanelli. Son relais derrière la façade protocolaire et la présentation des recrues, il est allé un passé par la Juventus, comme Longoria, Rossi et Benassia, n'hésite pas à atténuer le côté émotionnel du boss, à le débriefer souvent. Le 24 août, Ravanelli l'a accompagné pour rencontrer les lofters Garcia, Verretou, Gigot et Maître de la Concorde. Ce flegmatique est appelé à prendre du galon, Longoria souhaitant se concentrer sur les instances, le conseil d'administration de la LFP et l'ECA, l'Association européenne des clubs. Voilà les amis, j'ai fait le dossier en entier, comme un seul OM, avec les quatre personnes importantes du club actuellement, Longoria, Benacia et euh, Dezerbi et Ravanelli. Voilà. Ramané degré moindre, mais il est important quand même. Bénassé devant la commission de discipline, on en a parlé du côté de la Provence, on ne va pas en parler. Et on va finir par le dernier dossier, Nuit d'ivresse, et on terminera la vidéo ensemble. Allez, je vous lis ça, les amis. On y va, let's go. Je vous bois un petit coup. On revient sur la rencontre. Allez, nuit d'ivresse. Galvanisés par leur improbable succès à Lyon, 3 buts à 2, les Marseillais ont savouré un bonheur rare qui a récompensé leur adaptation tactique et leur esprit de corps. Marseille! Pourtant, peuplée de costumes et de cravates, la tribune d'honneur du Groupama Stadium ressemblait dimanche soir au coup de sifflet final à un parcage de supporters visiteurs en folie. Absolument extatique, le président Pablo Longo a hurlé son bonheur avec Basil Boli, Fabrizio Ravanini, qu'on a vu la vidéo tout à l'heure, revenu cet été à l'OM dans un rôle de conseiller institutionnel et sportif. Déchaîné, l'Italien de 55 ans est ensuite descendu sur la pelouse, partagé la joie du groupe et il ne s'agissait que du début des festivités après cette victoire acquise au bout du temps additionnel face à des Lyonnais assommés 3 buts à 2. Le délire des Marseillais s'est prolongé à 300 km de là en pleine nuit et sous la pluie qui ne pouvait pas doucher l'euphorie. Privés de déplacement à Lyon, les supporters ont convergé par centaines vers Marignane afin de venir célébrer leur héros à l'aviation générale. A heures et 30 à la sortie de leur avion privé, retenu au départ sur le tarmac à l'aéroport Lyon-Saint-Etienne-Saint-Exupéry pendant de longues minutes, en raison des orages sur les bords de la Méditerranée, les joueurs ont aperçu leur bruyant comité d'accueil, entendant les slogans et vu ces fumigènes rougeoyants. Adrien Riabio a avait eu droit à pareille réception quelques jours plus tôt, comme Alexis Sanchez ou Liman Ndiaye dans un passé récent. Cette fois, il n'était pas question de souhaiter la bienvenue à une recrue, mais de célébrer une équipe revenue de tout au cours d'une soirée surréaliste où les faits de jeu et l'expulsion de Leonardo Ballardi dès la cinquième minute ont d'abord paru impossibles à surmonter. Mais impossible n'est pas Marseille, je rajouterai. On a un groupe de bons joueurs et de potes. Nil Mopé, attaquant de l'OM, le second avertissement de l'Argentin a provoqué la colère de Bidi Benassia, brûlante dans le couloir des vestiaires à la pause, plus froide aussi, intense. Enfin, au micro de Dazon, je l'ai parlé tout à l'heure. Mais Roberto Deservé ne s'est pas, euh, pas situé sur la même ligne. Alors que le conseil sportif de l'OM éreinté l'arbitre Benoît Bastien, l'entraîneur ne criait surtout pas au scandale en conférence de presse. L'expulsion est justifiée à mon sens. Leonardo Balardi a commis une erreur et il en est conscient. On lui, on lui dédie la, notre victoire. C'est notre capitaine et il le restera. On ne le laisse pas seul. On lui dédie la victoire. Ah, selon, euh, selon De Zerbi, quand même, c'est de la faute de Balardi. Moi, je pense que la faute vient d'abord de la casette qui accroche le maillot. Il se laisse tomber et en tombant, ben, Balardi, il essaie de récupérer. Euh, voilà, il peut pas ne peut pas se récupérer parce qu'il est accroché par le maillot. Donc, il tombe avec lui. Et vous voyez qu'il plonge comme ça. Il ne peut pas l'éviter. Il ne peut pas éviter la chute. Donc je pense qu'il y a faute de la casette au début. Voilà, c'est l'arbitrage qui aurait dû regarder la vidéo. Il aurait sifflé faute pour l'OM. Tu peux siffler, tu peux siffler faute pour Lyon. À vitesse rapide, à vitesse réelle, tu peux siffler pour Lyon. Il n'y a pas de souci. Mais le deuxième carton jaune, je trouve, sévère parce qu'il y avait Kondobia qui couvrait derrière. Il n'y avait pas de danger, il n'était pas dans la surface. Ce n'est pas une grosse faute qui ferait mal. Et voilà, il y avait une faute juste avant. Il prend un carton jaune, d'accord Mais la deuxième, jaune, vite fait comme ça, c'est trop sévère pour, mon, pour, pour, pour ma part. Pardon. Je continue. Entrée en pointe à la 79, min, 79, 79 minutes, j'ai du mal là, terminé, Nil Mopé avait aussi une pensée pour un victime collatérale de l'expulsion, puisque le meneur de jeu a dû laisser dans la foulée sa place à Valentin Rongier. Cela n'a pas empêché de lancer joyeusement le cri de guerre dans le vestiaire, relayé par Eli Way, qui avait aussi vécu une soirée délicate, remplacé dès la pause après n'avoir jamais su se montrer utile. L'attaquant de 21 ans était fou de joie comme les autres et Ballardi, douché depuis longtemps, était en survêtement, c'est aussi mêlé aux copains. Mopé y voit l'émergence d'un collectif magnifié par les buts inscrits par trois remplaçants, Paul Irola, Luis Garcia et Jonathan Rowe. Les joueurs sur les terrains ont tout donnés et ceux venus sur du banc ont fait la différence, souriait l'ancien niçois de 28 ans. On a un groupe de bons joueurs et de potes. C'est tout un groupe qui fait la différence et que le coach veut mobiliser, même si certains ne jouent que quelques minutes. Les ajustements tactiques victorieux de deux arbitres. Soucieux de ne pas alimenter d'euphorie, De Zerbi ne veut pas entendre parler de lutte pour le titre, mais il a su valoriser les vertus de ses joueurs. On n'a rien lâché, on a fait une grande partie dans la mentalité, le courage, comme vous dites, les couilles, a-t-il lancé en français dans le texte pour la dernière expression. C'est plus important que le classement et c'est fondamental pour s'inscrire dans la durée. Non, le classement c'est très important. Si en fin de saison. On a un match où on n'a pas de caractère, mais on gagne la rencontre et qu'on est promis au championnat, je le prends, hein. peu importe le caractère. Hein. Voilà, moi c'est le classement avant tout, les amis. Je veux gagner des trophées cette saison. Après, bon, le caractère amène bien sûr le classement, bien sûr. C'est fondamental pour s'inscrire dans la durée. À la mi-temps, le technicien de 45 ans ne s'était pas contenté de parler de cœur et de caractère. Il a aussi insisté sur les bases répétées et travaillé à l'entraînement depuis des semaines. Sur le circuit de jeu à respecter, même en infériorité numérique. Dans cette optique, il a demandé à Pierre-Emile de dicter le tempo de la rencontre tant que possible pour éviter que l'adversaire ne l'emballe. Pourquoi a-t-il remplacé Waii par un latéral droit, Lirola Parce qu'avec son, qu son staff, pardon, De Zerbi avait remarqué les terribles difficultés du côté droit – j'en parlais euh, dans mon Discord, n'est-ce pas ?– en première en mi-temps, d'autant plus que Maison-Gridwood, replacé en pointe après la pause, défendait trop peu et n'épaulait pas suffisamment Rongier, relancé à un poste de latéral après l'expulsion de ballerdi L'italien a donc aussi changé de système pour passer en 5-3-1 avec une ligne Lirola, Amir Murillo, Condogbia, Lilian Brassier et Luis Enrique. Une façon de mieux rééquilibrer son équipe sans l'enfermer dans un carcan défensif. J'ai tout le temps cru, a-t-il soufflé. On a souffert, mais à chaque fois qu'on est allé dans leur camp, on a été dangereux. Je suis très heureux d'avoir vu les remplaçants qui entraient pour gagner les joueurs qui continuent d'aller de l'avant. 15 passes dans le camp adverse leur ont suffi pour marquer trois fois. Un exploit dans l'exploit. Une folie parmi tant d'autres au cœur d'une nuit qui a hissé l'OM au sommet du classement à égalité de points avec le PSG et Monaco seulement devancé à la différence de but par le club PSG. Voilà, on se retrouve ce soir, les amis. N'oubliez pas à mettre de la force. Voilà, abonnez-vous, likez, partagez. Faites ce que vous voulez de la chaîne. Les amis, on est en fin de vidéo. Je vous remonte comment ça fonctionnera ce soir. N'oubliez pas, voilà, vous avez le commentaire aussi, le partage très important en dessous. N'oubliez pas, on est qu'à 13. Allez, on va essayer de monter à 50. Pourquoi pas 100, comme j'ai dit On passera sur cet écran-là pour noter les joueurs. Et euh, maintenant, on termine par une anecdote avec Bafetim Mingomis, ancien attaquant olympien qui avait marqué pas mal de buts. Et il nous dit quoi du côté du média carré Au moment de ma signature à l'OM, mon agent me touche l'épaule et il me dit.. Marseille, c'est un des seuls clubs en France dans lequel ton origine n'a aucune importance. Peu importe si tu viens du Sénégal ou du fin fond de la Russie, ce qui compte pour les supporters, c'est que tu puisses tout donner sur le terrain et marquer des buts. Ils ne te donneront ensuite la reconnaissance que tu mérites. Donc je parle même des autres origines, que ce soit qui passe par le club des Puputiens ou ci ou là. S'ils nous prouvent sur le terrain, avec le maillot olympien sur le dos, qui fait ce qu'il faut sur le terrain, qui nous marque des buts, si c'est un attaquant qui nous fait des gros matchs, si c'est un défenseur ou un milieu de terrain ou un gardien. C'est le plus important. Donc, arrêtons-nous de nous prendre la tête pour Rabio, ancien parisien, pour certains qui ne voudraient pas le voir sur le terrain, ou alors Eli Waï qui avait dit dans le passé, ou alors je ne sais pas quoi. Voilà, on ne se prend pas la tête pour ça, et on voit les paroles de Batifimbingomis. Voilà, bon, ça concerne autre chose, bien sûr, je sais ce que ça concerne, les origines autres que les clubs, mais aussi ça concerne pour les clubs. Je vous remonte cette image qui fait plaisir à voir. Et on termine par quoi Par le calendrier. Et oui, parce que la saison continue. Le prochain match, ça sera dimanche. On le passera ensemble. Et c'est juste pour vous dire voilà, pour ceux qui sont arrivés jusque-là, il y a un petit mot de passe que je vais dire maintenant chaud euh, cacao voilà c'est assez simple dites choc cacao euh, dans euh, les messages donc le prochain match ça sera dimanche on le passera ensemble le prochain match du vendredi 4 octobre on le passera ensemble si je ne suis pas au match si je suis pas au vélodrome le montpellier om je serai là avec vous le 20 octobre je ne travaille pas et le 27 octobre je ne travaille pas donc si je ne vais pas au vélodrome pour voir marseille paris pour le classico et eh ben je serai avec vous pour tous les lives qui arriveront les quatre prochains matchs voilà c'est tout bénéf pour tout le monde voilà les amis, et on termine par quoi Par une belle image, l'homme du match que vous avez euh, voté euh, du côté de ma chaîne. Eh bien tiens, on va aller voir euh, le sondage sur ma chaîne, on y va tout de suite. Alors le sondage, vous avez voté pour qui euh, Ici, vous avez voté pour Jéronimo euh, euh, Rouli à 79%. 79% sur 1300 votes environ, vous avez voté pour Jéronimo Rouli, voilà qui remporte. Le trophée de l'homme du match de chez Seb Ajout. <laughs> il y a une dernière alerte, peut-être qu'il vient de tomber. Non, c'est rien du tout. Et euh, je vais arrêter la vidéo. Allez, dernière fois, je vous demande encore de donner de la force à la chaîne. On en a besoin. Activement, voilà, on arrive bientôt aux 20 000 abonnés. Il faut qu'on arrive aux 20 000 abonnés avant la fin de l'année. D'abord, on va arriver aux 19 000 et après les 20 000 arriveront. J'espère, pourquoi pas avant décembre, pourquoi pas même avant novembre. Voilà, il reste encore un mois et une semaine. Est-ce qu'on pourrait arriver, les amis, à 20 000 abonnés avant les, le mois de novembre Allez, on y va, let's go Abonnez-vous, allez abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez euh... Voilà, c'est tout. 45 minutes, c'est assez long. Allez, vive le foot chez Savage Foot. Bonne journée à tous. Et on se retrouve tout à l'heure à 18h exactement pour le live. Euh, vive le foot chez Savage Foot. Je cherche le truc là. Et allez l'OM Allez, ciao, ciao, ciao. Ah, c'était difficile.